Et salut à tous, c'est Zelvac, Sifano et Frigiel pour ce cinquième épisode de Coopération Steel Infernal Sky 2. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve au niveau de l'intersection numéro 1 pour aller chercher notre laine, je pense, tout simplement. Avec un trou au milieu. Ou ça, je le vois pas. Moi non plus. Bref, on va aller au niveau des cactus, non ? Oui. Oui, ça me paraît bien. Donc vous voyez, si je gagne, je serai très méritant parce que j'ai aucun stuff. Ah ouais, non mais t'as rien du tout là. Ah ouais, il a un poil lui. T'as qu'à pas tomber dans le vide. Tu pourras pas utiliser tes seaux de lave là. Mais il a des seaux de lave. Ah ben non, il a pas de seaux de lave, oui, c'est... d'accord. En Frozen. Ouais. On y est presque. Il commence à faire nuit. Ça va être chaud. Je ne veux pas vous décevoir, mais je ne compte pas perdre. Nous non plus. Est-ce que si on tire avec une flèche ou une torche, ça les détruit? Ah non, c'est dommage. Ça j'y avais déjà pensé aussi, mais je crois qu'on a des délires bizarres, Zelvec. Vous viendez ou pas? Mais ça pourrait être sympa dans Minecraft, tu vois, on puisse tirer sur une torche en redstone avec une flèche et ça la détruit. Ouais, ça pourrait créer des systèmes et tout en redstone. Oh, il y a des cactus, comment on va faire pour passer? Attends, je crois que ça marche avec les boutons maintenant. Trop facile. Hop. What? Il saute pas l'autre. Ah là, il va me viser. Ah, hey, ouais. You can farm all type of things. Genre, here. Tu peux pas sauter d'un cul. Même allez, les... Hey, il dit qu'on peut prendre plein de choses ici, même les boules de neige. Ça va alors. Ah putain, pourquoi je me frotte quand. Bon, moi je... Ah. Merde. Merde, j'ai tiré une potion, bon tant pis. Bâtard. J'éclaire hein, pour le spawn. Ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Qu'est-ce qu'on fait qui pique. Qui pique, ouais, c'est qui pique, c'est bien. Oh oh. Creeper. Oh là, c'est qu'il y a du monde là, ici. Là, c'est totalement logique, c'est un désert, il y a de la neige, bon. Oh, on meurt. On va tuer les Enderman, ils donnent des ordres boules. Des cactus, à côté, il y a des arbres. Je suis presque mort, là. Oh non. Il va me prendre à ça. C'est bon. Ah non. Ah oui. Bien joué. C'est bon. Avec ma petite épée en cobalt, je vais pas survivre longtemps ici, moi. Ouais. Oh, t'as une épée en cobalt, Frigiel? Vous voulez qu'on se donne de la puissance pendant 6 minutes? C'est comme tu veux. Bon, là, c'est pas peut-être pas utile, maintenant, là. Sauf pas non plus. Voilà, ça y est, on est puissant pendant 6 minutes. C'est pas utile, mais... Ouais. Ah, moi, une minute, hein, moi, il me dit. 4 minutes, moi. Une minute. Ouais, 4 minutes. Ça, c'est en fonction du nombre de gouttes qu'on a reçues. Ouais, ça doit être ça. Parce qu'avec mon épée moisie, voilà, maintenant je peux les tuer en deux coups. Bon, alors on cherche la laine dans cette zone. Alors elle est peut-être dedans, je sais pas. Je pense qu'il y a un donjon, hein, sûrement. Faut explorer. Je vais me battre à l'arc plutôt. C'est moi, Zelvac, où tu m'as donné un petit coup. Hein, bah non. Ah bon. Oh ouais, c'est trop puissant. Regardez-moi ça, on est trop des beaux gosses. Ouais. Pensez à éclairer, les gars. Regardez comment on les massacre tous avec nos arcs. Ah, ça permet d'éviter qu'ils respawnent et en même temps ça permet de savoir par où on est passé. C'est bon, on gère. Pour la classe, vas-y, on gère trop avec les arcs. Ah ouais, carrément. Ouais, je suis trop fier d'être avec. Il nous faudrait une indication sur les laines. Je sais pas où aller. Ouais. Oh, j'ai une épée en. Y a des arbres partout là. Ouais. Pourquoi on est dans une forêt. Pourquoi vous êtes resté là-bas, vous? Moi j'ai continué d'avancer. Avec quoi, Frigiel? Ah d'accord. Ah c'est moi qui suis toujours là-bas. Ah d'accord, c'est bon. S'il y a Zelvac avec moi, je me sens en sécurité. Ouais, moi aussi, c'est bizarre. Hein. Ce sentiment de prochitude. D'accord. Bon. J'arrive, j'éclaire un peu. Ah, je sais pas exactement par où vous êtes, ouais. Mais... Putain, c'est trop beau gosse. Alors, il y a quoi ici? Oh, il y a un lac gelé. Vous êtes vers où? Vers le centre? Oh non, j'ai crevé à cause de ça. Les gars? D'accord. Oui. Bah tu nous fous des vents, hein, voilà. Vous êtes vers où? Non, en fait, c'est toujours... On fait de la patinoire. Près de la patinoire. Non, mais c'est où? Parce que l'île, elle est grande. Bah, je sais pas comment t'expliquer ça. Si vous aviez posé des torches comme je vous ai dit. Il y a une grotte, une grotte. Bon, bah, très bien. Alors, si tu veux, je te donne les coordonnées. Non, mais tu vas y arriver. Non, mais oui, tu peux pas la rater. Hein. Tu peux pas rater. Bah, Lille, je suis parti dans un sens. Pardon, mais... non, j'ai pas fait exprès. Donnez-moi vos coordonnées plutôt. Vas-y, donne-lui, Zézé.
Alors. Dis-moi X et Z, c'est tout, je m'en fous le reste. Moins 15, 233. Moins 15, 233. Moins 15. Ah bah, je risquais pas de trouver, je suis parti à l'opposé. Il y a du champi. Oui. C'est bon ça. Ah, c'est bon. Oui. Oh attends, il y a un truc. Il y a la laine. Ouais. Ah, le lac gelé. Elle est où? Là. Ah, je vois, là où vous avez mis des torches dans la grotte. L'en bas. Ah ouais, elle oui. brille. Comment bon, on descend? Je vois oh. C'est bon, je suis là. Eh hey, mais c'est sur un nuage, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a la laine? Ouais, il y a une laine sur un nuage. Ouais, ouais. Avec un coffre. Ah, j'ai oublié de prendre des torches. Boulet. J'ai moyen d'y aller, mais après pour revenir, ça va être... Ah, oh, il y a quoi? Il y a une autre laine ici. Il y a une autre laine. Ah ouais, il y a une laine là-bas en bas. Ouais. Ah mais il y en a plein. C'était de laine partout. Orange. Ah ben ouais. Voilà. Et super, la moto qui passe. Alors là, super. Vroom, 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 vroom. Vous voulez que j'aille chercher la laine en bas là? Bah. Attends. Je vais la chercher, hein. Elle est où? Je la vois pas bien, moi. Elle est là. Mais comment tu veux descendre là? Ah, avec l'under, ouais, d'accord. Bah, vas-y. C'est la laine violette. Bon, bah, vas-y, prends. Puis, on se croyait dans l'espace ici, c'est. Eh hey, mais t'as déjà... t'as un coffre, dans une galaxie un très très lointaine. Il y a un coffre avec un panneau. Ah bon? Je le vois pas. Bah il est potion. Devant. Ah c'est des potions, bon tant pis. Ouais, genre, je prends moi. Oui vas-y. Génération puissante. Et après comment tu fais pour monter? Ah voilà, ça c'est la bonne question. Voilà, j'ai quelques cubes sur moi. Ouais mais okay. Là il va t'en falloir bien deux stacks. Ah mince, non j'en ai que 31. Viens Zelvac, en attendant qu'il remonte, on ressort voir un peu le reste de la zone, non? Oui, on va peut-être trouver... Oh, attendez, je suis bloqué en bas! Ah bah, c'est ta faute, hein. Avec quoi je remonte? Moi, j'ai que 31 cubes. Et nous, même, même si on te lance des cubes, c'est trop... T'es trop loin en distance, tu les... On va tomber dans le vide. À l'aide! J'ai peur pour toi, mais je pense... Et ramasse les cubes de neige. Je pense... Prends les laines. Attends, t'as deux solutions. Soit faut te suicider, on revient là plus tard, soit on essaie de choper deux... Ah ouais, mais même, il y en a un ou deux... Ouais, il faudrait qu'on chope 4 Enderpearls, que je descende, que je t'en donne 2 et qu'on remonte. J'ai moyen de faire péter la neige un peu. Ah, il en faut 3. Ah non, puisqu'il faut... Ouais, 3, ouais. Vous inquiétez pas, je vais remonter, mais par contre, faudrait m'attendre parce que ça va être un petit peu long, je pense. Ah, j'ai plus de stuff. Bah viens Zelvac, qu'on essaie de choper des... Mais non, mais attendez-moi, et c'est moi qui filme. Vous barrez pas oui, ça. Oui, non, mais là, on se bat contre des monstres juste pour gagner l'XP pour les enchantes. Bah moi, oui. On est au niveau de la patinoire. D'accord. Ziva, parce que là je suis pas là tout de suite. Hein, au final. De patinage. A slide, wesh. La la la. Voilà. La 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 la. Bon, vous savez quoi, on va faire une petite ellipse le temps que j'ai mis suffisamment de neige pour remonter parce que ça va durer 10 ans. La 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 la. D'accord. Okay. Ah non. Ah, je prends encore un peu de neige. Oh. Pardon. T'es passé devant le creeper. Alors là. Pardon. Alors là, bon je vous rejoins comme ça, on fait une petite ellipse. Allez, à tout de suite. Bien, donc nous revoilà, donc Zelvac est revenu, il a récupéré son petit stuff, même si je crois que Stéphano en a piqué un peu au passage, non? Mon stuff qui se limitait une pierre en pierre. Ouais, voilà, t'avais rien, c'est vrai qu'il a rien pu te piquer, carrément. Moi je suis remonté avec un peu de neige, donc j'ai plus... Pff, il me reste quelques boules de neige sur moi, mais voilà, c'est tout. Et bon bah on explore encore un peu, voir s'il reste pas une laine dans le coin. Hein, ça me paraît une bonne solution. Derrière, il y a rien, jour, donc ça va. Ouais, maintenant il fait jour. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai dû aller sur un nuage là, c'est bizarre quand même. Enfin... On en a deux, là, des laines déjà. Ouais, deux laines ça déjà. Ça va vite. Mm-hmm. Bah, dans l'épisode précédent, on en a eu qu'une seule. Oui, mais bon. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, là. Ah! Non, c'est au niveau des nuages. C'est au niveau des nuages. Pff, ouais, bon, je crois qu'on en a fini avec cette zone. À moins qu'il y ait un truc dans la patinoire. En tout cas, elle était bien moche. On n'a pas regardé s'il y avait un truc sous l'eau, ouais. Mais bon. Oh, tu sais, hein. Bon, les gens nous diront s'il y avait un truc sous l'eau. On va aller voir une autre zone pour l'instant. Yeah. C'est parti. Ah, c'est là. Bon, alors je vous propose d'aller au niveau de la direction des nuages. Enfin, de la direction des nuages. La zone des nuages, là, qui avait l'air assez grande. Pourquoi tu vas plus vite, toi? T'as pris une potion de vitesse? Non, pas du tout. Pas du tout? Menteur. Ouais, tu vois bien que je clignote pas. C'est vrai, ouais, t'as c'est pas vrai. De petite bulle dans ta bouche. On va par là alors? C'est parti. Allez, hein, de toute façon. Lâche pas les caisses. C'est parti. C'était fin. Ah non, j'ai cru que t'étais tombé dans le vide, ça s'était pas fiché. Un gros malade, mec.
Allez, go. C'est ça, quand même. Mais non, mais moi j'ai passé. Ah ouais, mince, attends, lui il a passé. Il va... Attends, vas-y, saute. Il te reste combien? Attendez, on va faire une plateforme. 4, il m'en reste. Non, ça va, tu mourras pas de là, vas-y, saute. Saute sur cette plateforme. Ok, j'arrive. Ça ressemble légèrement, hein, voilà. Non, franchement, il y a pas un pic. Hein. Ça ressemble à un T à l'envers. Allez, saute. Et bah voilà. Voilà. Franchement. Là, je suis frileux maintenant parce que forcément. On se fait un peu mal. T'es habitué à perdre. Ouais, ouais, on va faire ça. Je prends une autre potion. Puissance. C'est parti. Bon, alors on cherche une laine. Oh merde. Je vais encore mourir. Non. T'aurais dû venir avec du stuff. Mais il y en a plus. Ah. Malheureusement. Faudrait en trouver dans les coffres ou retourner à la ville fantôme. Certes, je vois. Et y a rien sur ce foutu nuage. Bah, y a sûrement un truc. Faut peut-être continuer à explorer, c'est peut-être sur un des nuages. Oh non, il pleut. Il pleut. Oh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce titre? Quoi? Mais je suis seul à le voir, j'ai mangé des champignons à varier. Le ou... cochon, le cochon. Le dieu cochon, il est là. Le cochon, il faut qu'on y aille. Ouais. Dieu cochon, c'est la fin hein, normalement, rappelle-toi. Mais non, mais c'est la laine des nuages ça. Comment on fait? Faut qu'on fasse des cubes et qu'on y aille. Descendre par là en bas. Hein. Ah non, faut monter. Il y a là. Un vaisseau à côté ou quoi? Ouais, mais il y a c'est hyper loin, je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, c'est hyper loin, Frigel. Moi, je pense que là, il y a une zone en dessous, c'est peut-être là en dessous la laine. Peut-être dans ce nuage la laine. Ah non, mais je suis sûr que c'est ce, au niveau des cochons. Ah, j'en suis sûr et certain. Il y a un passage. Je vous propose de grimper, regardez. On va grimper au nuage du dessus, au-dessus de nous. Ouais, ok. Vous avez besoin de cubes? J'en ai 37. C'est bon, moi j'en ai suffisamment. Sinon, je vais péter ça. Voilà. Ça donne des Merci. Cubes. Hop, on en prend un petit peu. Voilà. Parfait. Voilà. Et tu veux pas qu'on aille voir ce qu'il y a en dessous? Non, en dessous, y a rien. C'est sûr, ça. Okay, allez, on va grimper. Faites-vous une petite tour et on y va. Poumpidoum, le dieu cochon. Le dieu cochon. Non mais oh. Pourquoi ce serait un mec, d'abord? Parce que... Ouais, t'as raison, c'est les filles, les cochons. Bon, vous montez là ou quoi? Bah, je suis genre haut, moi. Genre. Bah oui. Eh, hey, je suis dans le nuage. Bonjour. Bonjour. C'est en face. Ah ouais, il y a double dieu. Ah mais c'est des cochons ailés. Mais oui, c'est des cochons ailés. Bon, je crois que c'est simple. Ah ouais, il y a la laine au milieu, on la voit. Ça manque un peu de monstre. Bah, c'est bien trop calme. Si seulement on avait une underpearl. Ah, j'en ai pas. Bon bah faut créer un chemin alors. Ils sont mignons, n'empêche. Hein. Les petits cochons, ouais, c'est vrai. C'est bien fait. Hop, j'ai plus de cubes. Sifano, vas-y pour une fois. Oui, j'avoue, c'est jamais toi qui construis les ponts. J'aime pas construire les ponts avec vous. Oh, mais va construire ce pont. Bah, va le faire quand même. J'ai plus de cubes. On fait pas toujours ce qu'on aime. Hein. Toi, t'as des cubes. Bah, toi aussi. Hein. C'est juste que tu montres pas. Regarde, là, c'est quoi? C'est un cube. Non, de toute façon, je sais très bien ce que vous allez faire. Vite, je fais péter cette TNT. Ah, c'est bon. Mais je sais ce que vous allez faire, donc c'est pour ça que j'aime pas y aller. Il écrit quoi? Vous me dites quand je suis arrivé? Sifanote. N'empêche, je dois me venger au moins une fois, Sifano, hein, parce que je retiens. Et bizarrement, Frigel me passe un arc et des flèches. Je me demande pourquoi faire. T'as trois flèches, vas-y, t'as trois essais. Il est assez loin. Je sais pas si tu vas le toucher. Non, franchement, non, arrête. Eh, tu m'as tiré dessus, hein. Bah ouais, bah alors tu m'as tiré dessus, c'est toi qui a ouvert les hostilités. Quelqu'un va tomber dans le vide si ça continue. Ce sera pas moi. C'est bon. Voilà. Et c'est la laine pink. Oh pink. Pink. Ah bah voilà, il y a des arcs et des flèches là-dedans. Et une épée. Bah voilà. Ah, de la nourriture, il y a tout un stuff. Bueno. Bueno tout ça. Ouais, mon arc. Et là, bon, y a rien chaud. Bueno. Ouais, là, y'a rien d'intéressant. C'est juste pour construire, pour rejoindre les cochons au cas où, mais je pense. Mais... Les cochons. Ah ouais.
pour sauver quelques arbres et ne pas avoir besoin de les tuer. Bon, ben, on revient. Oui, mais il y a pas de monstres, c'est trop facile. C'est trop facile. Ouais, c'est bizarre là, quand même. Ah, trop facile cette saison, vivement la saison 4. Bon, en même temps, c'est la saison que je vais gagner, donc je vais pas me plaindre. Hein, mais... Oh, ils vont me tirer dessus. Non. Mince. Stop! Arrêtez de vous entretuer. Non. Je te soigne. Merci. Je suis gentil. Mais je le laisserai pas passer, Sifano. Hein. Je le laisserai pas passer. C'est toi qui as déclenché les premières hostilités. Je te souviens. Quoi? Je te rappellerai qu'avant de commencer cette saison, j'ai dit cette fois je la joue fair play. Premier épisode, je me prends une flèche en pleine tête. Tu l'as pas joué fair play? Bah ouais, parce que premier épisode, je me suis pris une flèche en pleine tête. Oh, donc je vois pas pourquoi je devrais jouer plus connement que vous. Oh! Qu'est-ce que tu... Merde. Mais qu'est-ce que... Attends. Ah! Attends. On est... Merde, attends. Sifano, viens nous sortir. Je suis tout en bas, moi, déjà. T'es sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je vois plus rien. Est-ce que je pose la torche ou pas? Oh non, putain, t'es sérieux? Ouais. Nous revoilà de retour sur le serveur. Bon, Zelva qui est tombé. Il a voulu poser des cactus le temps que je revienne, que je me reconnecte, et il est mort. Et là, il y a son stuff qui est mort devant moi. Il y a son stuff qui est mort. Son stuff est mort. Depuis quand un stuff est vivant, Sifano? Ah, tu ne connais pas? Mais je précise que Zelvac a quand même bien joué, parce que le temps que je me déconnecte et que la TNT explose, il a réussi à se déconnecter aussi, donc il est... Techniquement, c'est pas moi qui l'ai tué. Voilà, donc bien joué. Ouais, je suis en train de me faire des zombies pendant ce temps pour gagner un peu d'XP. Tuc, on redescend. Pourquoi je me mets à chanter? On redescend. Bon, je prends le stop de Zézé, moi. Ouais, si tu veux, moi je l'ai laissé au cas où il revenait, mais. Hop, ça c'est nul. C'est bon, compris que tout mon stuff était nul. Ça va, et. J'ai le droit de dire ce que je pense, hein, non mais oh. Bon, comment on rejoint la zone, hein? Bah, va falloir retourner par le pont, là. Ah ouais, t'es là, Sifano. Ouais. En plus, il pleut, c'est n'importe quoi. Y'a aucun monstre, on arrive à mourir, il pleut. Et... cette saison est bizarre. Bah, sinon, on va peut-être se laisser là, non? Bah, non, là, on a le temps de revenir rapido. Je pense. Pas de soucis. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il a, alors? Hop. Oh. C'est juste quoi, c'est jusqu'à... Ah, tombe aussi. Mais... Ça va pas bien? Il est malade, lui. Oh là là. Il va pas bien, notre zézé. Non, il va pas bien. J'ai pas dormi. La case de la cité de Sam. Ouais. Attends. Un, on est défi. 1, 2, 3. Oh, yes. Oh, pardon. Pas mal. Vous êtes fous. Oh là là. Ouais. C'est fatigué. Oui, c'est fatigué. Non, mine de rien, j'aurais eu 14 niveaux, moi, donc je peux me faire un bon petit Je suis niveau 17, moi. Bouh. Non, mais t'es un bâtard, là. C'est pas... Alors ça... C'était pour truculer, c'était pour truculer. Non, mais t'es sérieux? Moi, je dis, on met une mort à Sifano, moi, pour ça. Non, mais tu vas même pas désolé, le faire. Je suis désolé, il ce qu'ils sont en train de nous faire. Non, sérieux, les gars, non. T'inquiète. Je pouvais pas savoir, moi, qu'il te restait qu'un de vie. Oui, bah, bien sûr. Bah, oui, moi, je vois que tu... Un arc enchanté, un mec à poil. Eh, mec, t'es en train de nous supprimer le passage, je te tire une flèche pour que tu recules, hein. C'était pas mon intention de te tuer, hein. Oui, bien sûr. Ah, bah, oui. Du coup, j'explose le compteur de morts. Ah là là, ce zézé. Qui était pourtant bien parti. Silence de mort. Allez, on remonte. Oh, t'es pas sérieux. J'explose. Oh, au final, on a fini avec cette intersection, je pense. Ah bah oui. Oui. Une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. Il faudra qu'on retourne à la cité fantôme. Puis
parce qu'elle est bien grosse. Voilà, c'était juste pour fermer la zone symboliquement. Avec du gravier. Serious. Comme ça, on n'y retournera pas. Et voilà, donc on est de retour chez nous, on va poser des quelques laines et on va pouvoir se quitter. Bon, épisode un peu, comment dire, what the fuck? Bah ouais. Ouais, bah, carrément. Il y a pas eu énormément de monstres, je trouve. Il y a pas eu de monstres, mais vous êtes mort 20 milliards de fois. C'est peut-être l'épisode où il y a eu le plus de morts depuis le début, je crois. Je suis pas mort de l'épisode. Vous, On n'est pas mort l'épisode, toi et moi. Ah bon, bah alors c'est Zelvec qui est mort 20 milliards de fois. Merci. Il est mort tellement de fois quand j'ai l'impression d'être mort. On a fait The Kiss, Fano, là, parce que tu m'as tué deux fois, voilà, hein. Il y a une des deux fois, c'était pas volontaire. Purple ? Oui, bah bien sûr. Bah oui. Il y a encore des trous chez nous. Hein. En fait, je m'étais mort tellement de fois que je sais même plus la deuxième fois. Ouais, enfin, c'est un peu. Bref, bon, c'est pas grave, c'était sympa. Et c'est moi, on a fait la moitié du monument. Ouais, je crois qu'on a fait la moitié du monument là. Mine de rien. Bah, on a encore pas mal de trous. La première fois avec les creepers, c'est là que je peux faire exprès. Si je tirais sur un creeper, t'es passé devant. Et la deuxième fois, je t'ai tiré une flèche pour faire reculer. Il a bandeau le trou. Ah ouais. Il nous en veut. C'est pas grave. Donc on va se laisser ici, c'était sympa. On a ramené quelques laines, c'était sympa. On a tué Zelvac, c'était sympa. Tu nous en veux pas? Si tu nous en veux. Prends cette TNT. Bon allez. Ciao tout le monde.